y a 7 ans, une histoire incroyable a explosé sur Internet. À 22 ans, je me suis retrouvé aux prises avec la mafia russe. Je faisais un voyage d'études avec ma classe. Igor sera votre ange gardien. C'est un homme dangereux. Vous ne devez pas lui parler, ni passer du temps avec lui. Bah, moi, tout ce que je veux, c'est passer du temps avec ce type. Je parlais pas un mot de russe. Ya machina. Tout ce que je savais dire, c'était... Ya machina. Ce fut le plus bel été de ma vie. On va pas voler ce pauvre gars. Ya machina. 23 ans après ces événements... L'histoire continue. Elle est bizarre, cette chemise. Yo, machine! Non, pas aujourd'hui, pas aujourd'hui. Mon père vient d'arriver. Vous avez payé pour voir mon fils débiter son histoire sur des vols dans un train en Russie? Pas pour la millième fois, c'est une histoire vraie. Et il lui a fallu à peine 2 secondes pour commencer à me prendre la tête. Regarde-le! Hé, hey, poupette! C'est un monstre. Êtes-vous la machine? Madame, la fête, c'est à l'extérieur. Il y a 23 ans, mon père, vous lui avez volé la seule chose qui avait de la valeur pour lui. Désolé. S'il s'agit d'une connerie de blague à la TikTok, je suis pas sûr de garder mon sang-froid. C'est une blague, regarde, c'est un faux pistolet. Ou pas? Alors tu vas venir avec moi en Russie. En Russie? Ne tentez pas de vous échapper. C'est un feu, il lui fait du mal. Papa, tu parles un peu vite. Tu serais pas sous speed. Évidemment, je suis sous speed. Oh, plus de drogue. L'homme. Bert. Enlève ton t-shirt et montre à cette bande d'enfoirés qui est la machine. Le mythe. Maintenant, c'est moi qui mène le bal. La machine. Il est... Bordel de machine! Je vais lui tirer une balle dans le mollet. C'est un cauchemar, j'ai tué un homme! En fait, techniquement, tu en as tué plusieurs des hommes. Oh,